Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous retrouver ce soir pour un nouveau match de vos Patriotes de l'UQTR. Ce soir, nos matchs affrontent les Gators de l'Université Bishop et je suis en compagnie de Thibaut. Salut Thibaut. Salut Léa, encore un bon match ce soir. On espère une nouvelle victoire pour nos Patriotes, pour se relancer bien comme il faut dans le classement. C'est ça, une première victoire la semaine dernière. Contre vendredi dernier, contre l'UQAM. L'UQAM, merci, j'avais un petit coup contre l'UQAM. Effectivement, puis là ce soir on aimerait une deuxième victoire après le nul contre Sherbrooke la semaine passée. Ouais, un nul assez frustrant parce que nos Patriotes avaient la possibilité quand même de réussir à prendre ces trois points. C'est sûr que être mené, puis revenir, puis être mené, c'est jamais simple. Donc au moins elles ont montré du caractère, il va falloir répéter ça aujourd'hui. C'est ça, et ce soir l'Université de Bishop qui pour l'instant occupe la dernière place du classement avec un match de moins que nos Patriotes. Ouais, l'Université de Bishop qui n'a pas d'équipe de garçons, il me semble, pour le soccer. Non, c'est ça, c'est pour ça que ce soir on assiste à un match, une programmation unique. Juste le match des féminines, puis on profite d'ailleurs de cette occasion pour accueillir les anciennes de nos Patriotes qui sont présentes dans les estrades ce soir. Donc ce match dont le coup d'envoi a été donné, puis on remarque une formation en 4-3-3 de la part de nos Patriotes. Anne-Gabrielle Marquis pour garder les buts. 4 défenseuses, Chani Soulière, capitaine à droite, Héloïse Lafleur et Anne-Gabrielle Saint-Phare pour occuper le milieu défensif. Et du côté gauche, Catherine Laroche. Au milieu, rajouter une troisième joueuse, ça va permettre d'avoir une bonne densité, de pouvoir occuper le plus d'espace possible avec nos deux joueuses sur les ailes, Meredith et Meila, et une bonne pointe qui est Béatrice, qui peut aussi redescendre en 10, qui va pouvoir apporter un peu sa tenue du ballon. C'est ça, on le sait, Béatrice Jutra qui, depuis ce début de saison, a évolué au milieu de terrain, effectivement, comme tu l'as dit, en tant que numéro 10, puis qui là est plus disposée en tant que numéro 9, attaquante de pointe. Puis on sait qu'elle a les qualités, en tout cas, pour effectuer à ce poste-là. Puis on espère qu'elle va bien faire ça ce soir. Et déjà, un premier corner en faveur de nos Patriotes. Oui, dimanche dernier contre Sherbrooke, on avait marqué sur corner, alors c'est bien tiré là. Allez, faut tirer. Ouh, dommage. C'était une belle tentative d'Emmy Blé. Et c'est bien, nos Patriotes sont bien rentrés dans le match. C'est ça, on le sait, contre une équipe comme Bishop. Bishop aime bien évoluer en bloc. On va voir si ça va être le cas ce soir. Donc, des blocs qui sont souvent difficiles à passer puisque très complet, très compact. Fermé, très compact. Et on va voir si nos Patriotes vont réussir à percer ce bloc-là, peut-être en jouant sur un jeu rapide, une touche de balle, et surtout trouver les failles. Essayer de profiter des petits espaces qu'elles vont laisser, parce que c'est vrai que l'Université Bishop n'est pas une équipe qui est parmi les meilleures de base, donc c'est contre ce genre d'équipe, on aura forcément des espaces, il va falloir en profiter. Allez, pour l'instant, ça fait seulement 2 minutes, on ne peut pas vraiment se prononcer sur ce début de match, mais on le voit pour l'instant, nos Patriotes s'installent bien, elles sont en territoire adverse, puis on ne peut rien demander de mieux en ce début de match. Alors que là, la gardienne de Bishop a envoyé ses joueuses un peu plus loin pour dégager. Ah, il faut y être au deuxième ballon. Aïe, 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 dommage. Allez, Chani pour le récupérer en faveur Chani des Patriotes. Chani pour Meila. Oh, ça c'est une faute. C'est pas sifflé par l'arbitre. Et ce sera une touche pour l'Université Bishop. Allez, Emma Deschâtelet pour la touche. C'est une touche longue. Ça passe, attention, dans le dos d'Héloïse. La numéro 7 qui cherche une solution, c'est bien refermé de la part d'Héloïse, elle est obligée de revenir en arrière. Et Anne-Gabrielle, très bien joué de la part d'Anne-Gabrielle Saint-Phare, très bien défendu.
sur le ballon. Bien joué. Et ce sera un ballon pour Frédéric qui la perd. C'est finalement récupéré par Béatrice. Oh, bien joué. Faut y aller. Ouh, dommage. Le ballon a poussé un petit peu trop long, c'est dommage. L'intention était vraiment bonne. Et ouh, il faut fermer au milieu. Il faut fermer entre deux. Oh, elle fait pas le bon choix. Là, il fallait la mettre dans la profondeur. Heureusement pour nos Patriotes. Et bien récupéré de la part de Frédéric. Il la donne à Béatrice. Fred. Ah, dommage. Dommage cette longue balle. Ouh, il faut la presser. Bien joué de la part de Meredith qui a fait le bon pressing et qui a forcé un mauvais dégagement de la gardienne, même si c'est conservé par l'Université Bishop. Il ne faut pas la laisser avancer. Allez, Loïse, pour fermer, repartir ce ballon vers l'avant. Défendu. Mais c'est une nouvelle fois récupéré par les joueuses de l'Université Bishop. Il va falloir réussir à conserver ce ballon. Allez, peut-être ici avec Meredith, la récupération au milieu de terrain. Meredith avant, cherche une solution, elle en trouve. Bonne accélération. Elle a encore le ballon. Ah, dommage. Ouh, attention, il n'y a pas hors-jeu. La joueuse qui se projette très vite. Et très bien coupé de la part d'Anne-Gabrielle Saint-Phare. Oui, bien suivi de la part d'Anne-Gabrielle ici qui a permis d'éloigner le danger, mettre ce ballon en corner. Et maintenant, il va falloir être attentif sur ce coup de pied arrêté. Alors attention au corner. Faut prendre la tête. Ouh là 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 là. Et ce ballon qui passe très très proche des cages d'Anne-Gabrielle Marquis. De notre point de vue, on s'imaginait qu'il était dedans. Ouais, franchement, il faut faire attention à ces phases arrêtées. Toujours être présente et surtout le marquage, il faut faire très 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 attention. Être très vigilante. Alors qu'au classement, je constate qu'une victoire, de possible victoire, on espère, de nos Patriotes, les relancerait totalement dans la course au play-off. Hein, avec 7 points, ce qui serait une bonne chose à la mi-saison. Oui, un classement pour l'instant chez les féminines qui est très serré. Chaque victoire peut faire remonter de beaucoup de places. Donc ça va être vraiment important, à part Laval qui s'est très bien envolé avec 5 matchs, 5 victoires. Alors que là, un bon départ de l'attaquante de Bishop. Anne-Gabrielle, il faut faire attention. Mais la première frappe et... Et bien l'arrêt d'Anne-Gabrielle Marquis. Allez, pour l'instant, nos Patriotes qui peinent à sortir de leur zone, à construire avec le ballon. Aïe, 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 il faut la conserver celle-là. Il faut la conserver, Meredith. Elle a bien joué. C'est avec Sandrine. Meredith a encore. Sandrine. Voilà, bravo. Ah, il faut changer, Bien joué. Bien joué, Frédéric. Il donne vers Héloïse. Meïla. Très bon contrôle de Meïla. Qui la donne à... Amy Varane, Gabriel Saint-Phare. Ah, dommage. Ah, il faut faire remonter le bloc, Ballon pour Sandrine qui met la tête. Ah, il n'y a personne au deuxième ballon. Et c'est une nouvelle tête d'Anne-Gabrielle Saint-Phare pour Frédéric. Amy. Bon ballon d'Amy pour Chani. Un soulier. Bien joué. Bien joué dans la profondeur. Allez, Meïla. Allez, il faut le gagner ce ballon. Il n'y a pas faute. Oh non. Oh lolo. L'arbitre très, très, très gentil là sur ce coup. De notre point de vue, c'était plus un duel d'épaule.
Ouais, épaule contre épaule, de ce qu'on en voit ici. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas contester la décision de l'arbitre vu d'ici, donc on va lui faire confiance sur cette décision. Mais on espère qu'il va être plus attentif pour les prochaines fois. Et c'est dommage parce que ça vient couper une très belle action de nos Patriotes. Exact. Une très belle combinaison. Attention, bien joué de la part de Chani, bien couvert. C'est un ballon pour Anne-Gabrielle Marquis qui envoie vers Meila. Bon contrôle. Ouh, attention à la passe. Ah, Béatrice qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Et c'est de nouveau le ballon pour l'Université Bishop. Ah, il faut faire remonter le bloc. Allez, il faut venir sur ses premières balles. Et Chani. De la part de Chani Villière. Ah, c'est de nouveau perdu. Et récupéré. Allez, ouais. Oh! Frédéric là qui était un petit peu en retard sur ce tacle. Heureusement, inoffensif pour la joueuse adverse. Mais qui l'empêche un petit peu de terminer sa passe. Puis donc, logiquement, sifflé par l'arbitre. Et un nouveau ballon qui va permettre aux Gators de se dégager de leur milieu de terrain. Ouais, on voit quand même qu'il y a des possibilités en étant plus juste techniquement, surtout dans les passes. On voit qu'il y a quand même des possibilités de transpercer assez régulièrement leur défense. Allez, mais pour l'instant, c'est plutôt eux qui sont en contrôle du ballon et heureusement, un hors-jeu. Mais de toute façon, la passe de la joueuse des Gators était beaucoup trop longue puis sortait en touche. Donc c'est un ballon récupéré pour nos Patriotes. Allez, maintenant, il faut arriver à construire avec ce ballon. C'est ça, réussir à le conserver, allonger les phases de conservation et éviter de trop dégager trop rapidement. Alors que là, c'est un bon ballon pour... il faut la garder au sol. Il faut la garder au sol, Béatrice. Alors que Sandrine, c'est pas pour la récupérer. Ah, dommage. L'intention était bonne de vouloir changer de côté. Elle avait vu Meredith partir sur l'aile, puis avec quand même un bel espace devant elle. Mais ce ballon était beaucoup trop court pour pouvoir l'atteindre. Puis ça a été bien couvert par la défense également. Bien tenté de la part d'Anne-Gabrielle Marquis, mais c'était trop court aussi. On voit que là, Fred, elle a énormément de place. Si on réussit à jouer avec elle, elle pourrait ouvrir énormément encore d'espace. Attention là à ce ballon pour bien récupérer de la part d'Emmy Blé. Anne-Gabrielle Saint-Phare qui dégage. Aïe, Béatrice à Paris qui se tient à récupérer le ballon. Allez, peut-être aller presser la gardienne encore. Il faut monter avec il faut monter le bloc avec ensemble. Elle. Allez, ce ballon, il faut le récupérer au milieu de terrain. Ah, dommage. Ça va être un peu long. C'est pour Anne-Gabrielle Marquis qui va dégager ce ballon vers Fred. Oh, qui a évité la tête. Et Louise qui va dégager. Emmy qui prolonge. Oh, sacré bloc de la joueuse de l'Université Bishop sur Meila. Ouais, Tegan Henley qui est vraiment arrivée en retard sur Meila. Certainement pas un choc volontaire, mais un choc quand même assez costaud, puis qui permet à nos Patriotes de s'éloigner du danger qu'il pouvait y avoir. Pas volontaire. Attends, on va voir. Pas volontaire. Hein. On va lui laisser le bénéfice du doute. Ouais, on va lui laisser le bénéfice du doute. Allez, alors que pour l'instant, c'est une nouvelle touche pour nos Patriotes. Ce qui leur permet de progresser légèrement en territoire adverse. Mais il faut s'installer là. C'est ça, il faut arriver à garder ce ballon plus longtemps que deux simples passes. Ça a prolongé les phases de possession dans leur camp, ce serait l'idéal. Histoire de leur mettre la pression et de les garder sous pression surtout. C'est ça, puis de se mettre en confiance aussi pour elles, de réussir à faire tourner ce ballon, de s'installer. Ce qui pour l'instant est une chose compliquée alors qu'on va bientôt arriver au quart d'heure de jeu. Bien joué de la part de Sandrine vers Chani qui lui redonne. Il faut conserver. Bien joué, Héloïse. Oh, bien joué. Allez, il faut y aller, Béa. Allez, Béatrice. Béatrice Jutra. Béatrice, faut la tenter. À deux joueuses. Mets-lui en haut. Oh, elle lui met dans le dos. Dommage. Allez, c'est pas perdu. Meredith.
cherche une solution. Elle est bien, bien bloquée par... Emi. Le centre vers Sandrine. Sandrine vers Meredith. Ouh, dommage. Très bien, très beau tacle de la défenseuse de l'Université Bishop sur Meredith. Et on voit ce ballon en touche pour nos Patriotes. Et en début de rencontre, je te parlais de ce bloc qui joue très compact. On l'a vu sur cette action, toutes les filles de Bishop sont venues défendre. Elles sont vite retrouvées à 4-5 face à nos attaquantes. Puis donc ça leur rend la tâche compliquée. Effectivement, on voit qu'on n'a pas... On a beaucoup d'espace au milieu du terrain, mais une fois arrivé dans leurs 20 derniers mètres, là, ça commence à devenir beaucoup plus dur parce qu'elles sont vraiment un gros, gros bloc. Alors que là, ce sera un 6 mètres pour un goal kick, pardon, pour la gardienne de l'Université Bishop. On voit, elle joue pas court, hein. Elle joue très, très rarement court. Ça, elle cherche à faire monter le plus possible. Ah, il faut y être à la tombée du ballon. Emi qui donne vers Héloïse. Obligé de repasser vers l'arrière. Ouh là là, attention cette passe là. Bien, bien joué de la part d'Emi qui renvoie vers Héloïse. Mais il a. Ouh, dans le dos. Attention. Oh, il faut la laisser. Il faut laisser jouer. Aïe, aïe, aïe. L'arbitre qui interrompt facilement cette action. Faut jouer au milieu. Regardez-moi. Oh, pas mal aussi sur Béatrice. Et c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Béatrice qui vient plus bas pour demander le ballon et qui envoie vers Meïla. Meïla qui joue vers Sandrine. Sandrine vers Meïla. Aïe, 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 dommage. Et c'est ça, dans leurs 20 derniers mètres, c'est là où il faut être plus juste. Corriger ses petites erreurs, ses dernières passes, pas se mettre une pression parce qu'on arrive proche du but, mais arriver à se faciliter ses transitions. C'est ça, attendre le bon moment pour provoquer, une fois qu'on provoque, on y va. Alors que là, ce sera encore une touche pour l'Université Bishop. Allez, longue touche. Bon, bien joué de la part de la numéro 7 de l'Université Bishop. Alors qu'Anne Gabrielle Saint-Far qui a bien coupé, mais c'est toujours dans les pieds des joueuses de Bishop. Sans ce ballon, la frappe et... Ouh. Anne Gabrielle Marquis là, qui relâche ce ballon après cet arrêt et le ballon qui s'enfuyait vers le pour but. Passer la ligne. Il y a eu un moment de silence là parce qu'on ne savait pas si le ballon était rentré ou non. Ouais, mais on checkait l'arbitre de l'autre côté qui surveillait cette ligne-là, savoir si le ballon avait franchi la ligne des buts. Aucun drapeau ne s'est agité, on a pu souffler. Elle n'est pas dedans. Voilà, elle n'est pas dedans. C'est ça, donc faut faire attention à ces petites erreurs, ces petits moments d'inattention qui peuvent être très coûteux. Ouais, il faut pas qu'on se mette en difficulté nous-mêmes là. Surtout qu'on est bien pour l'instant dans ce match. Allez, une bonne prise de balle ici pour Anne-Gabrielle Marquis pour se remettre en confiance. Le dégagement. Et il n'y a personne à la tête. Il n'y a personne à la retombée du ballon encore. Allez, et Sandrine qui va récupérer. Ouais. Ouh, c'est... Ah, l'arbitre qui siffle une faute pour nos Patriotes. Bon, on va pas s'en plaindre. Non, c'est ça, ça nous permet de récupérer le ballon, mais il va falloir être beaucoup plus présente sur ces dégagements. Être les premières à récupérer, et si on n'est pas là, il faut être là au deuxième ballon. Il faut aller le chercher, il faut avoir un petit peu plus d'envie. Alors, bien joué, allez, Béatrice. Allez, il faut quelqu'un qui provoque là, sur le côté. Bien joué de la part de Meïla, bien récupéré. Béatrice. Oh, bien joué. Oh, dommage. Elle a voulu prolonger le ballon, Meïla, après ce petit pont magnifique de Béatrice. C'est Béatrice qui, pour l'instant, nous gâte quand même dans son jeu technique vers l'avant. Mais attention à ce ballon qui va très vite. Catherine pourrait essayer de couvrir et ce sera finalement une touche obtenue par nos Patriotes. Mais on le voit ici, ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre.
il va falloir rester vigilant. Allez, une bonne touche. Sandrine. Oh, il faut conserver ce ballon. Il faut essayer de conserver ce ballon là. On le perd trop vite. Nos Patriotes perdent trop vite le ballon. Les chaînes soulières pour essayer de faire quelque chose contre. Et le prolongement. Et Loïs qui va envoyer le ballon vers Anne-Gabrielle Marquis qui va dégager ce ballon vers Meïla. Oh, elles se sont pas parlé les défenseuses de Bishop. Et au final, c'est dégagé. Oh. Amy. Et il s'est finalement récupéré haut par la lière de Bishop face à Shani. Bien joué de la part de Shani. Parfait. Parfait ça. Ouais, très très bien récupéré sans faute. Il faut respirer, il faut respirer. Il faut conserver. Voilà, faut conserver. Bravo. Bien joué. Ah, dommage. Faut revenir. Il y a Héloïse. Aïe, la densité est là. Faut faire tourner, Fred. Bien joué. Allez, Maïla. C'est finalement un ballon pour Bishop. Qui ressort bien. Aïe, elles ont trop de facilité à ressortir. Attention, Anne-Gab, tu peux la prendre à la main. Oh. Ouais, Anne-Gabrielle qui s'est peut-être un petit peu précipitée ici, plutôt que d'attendre le ballon dans sa surface. Ouais, il faut prendre le temps. On a le temps. Amy qui remasse. Aïe, dommage. Et c'est ça, c'est sur ces petites phases-là. Ces petites phases de possession qu'on essaie de créer là, c'est là où il faut être un peu plus juste pour nos Patriotes. Et pas perdre des ballons trop rapidement comme là. Allez, Shani. Pour récupérer sur cette touche, elle lance directement vers l'avant pour essayer de trouver Béatrice. Mais... Voilà, conserve, t'as le temps. Voilà, attention, il faut lui parler à Sandrine. Il faut lui dire que ça vient. Et il va récupérer ce ballon pour essayer bon de ballon vers Catherine. Bien joué. Ah, dommage. Voilà, il faut pas les laisser ressortir. Il faut les presser. Attention à ce ballon. Anne-Gabrielle qui... Bonne sortie. Bonne anticipation d'Anne-Gabrielle qui est venue chercher ce ballon dans les pieds de l'attaquante. Aïe, il y a encore un ballon perdu là par Catherine, cette fois. Et finalement récupéré par Anne-Gabrielle Saint-Phar. Fred, aïe, un peu de déchets techniques pour nos Patriotes et attention à ne pas se faire punir. Bien récupéré de la part de Shani, Fred, Amy, vers Sandrine, Fred, Meïla, ah, bravo, bien joué, bravo, aïe, dommage. Encore cette dernière touche, cette dernière passe qui nous permet d'aller vers l'avant, qui est finalement trop longue. Allez, il faut arriver à les presser pour récupérer ce ballon haut. Faut la presser. Elle a trop d'espace. J'ai l'impression qu'on est un peu trop attentiste défensivement. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que à chaque fois qu'elles ont le ballon et qu'elles commencent à avancer, au lieu d'essayer de les presser, on recule et on attend qu'on attend. C'est ça, comme si on les laissait venir à nous plutôt que de les presser plus haut pour essayer de récupérer ce ballon plus haut. On le récupère très très bas. Toujours à l'entrée de notre surface, puis il faut faire attention parce qu'à tout moment, on peut se faire punir par ce genre d'action. Exact. Et là encore, un dégagement récupéré haut. Bien joué de la part de Meïla. Et Shani, bien joué Meïla. Sandrine. Alors quand on Il faut conserver. Voilà, bravo. Bon choix de la part de Sandrine vers Anne-Gabrielle Saint-Phar. Catherine, attention de ne pas perdre le ballon ici. Oui, Catherine qui obtient la faute.
Et c'est joué vite par nos Patriotes. On repasse tout de suite avec Héloïse pour Shani. Shani qui a vu dans l'aile, c'est pour Meila. Meila qui a... se rate un petit peu, mais heureusement, la joueuse de Bishop se rate à son tour. Allez, il faut y aller. Allez, Meila. Allez, Meila. Sur le côté. Allez, Meila, bien joué. Oh, dommage. Très bonne couverture, mais attention, récupération de Sandrine qui cherche une solution pour se retourner. Elle la trouve avec Béatrice qui avance. Cherche une solution, la frappe peut-être, allez Béatrice. Béatrice qui est seule mais qui continue à se battre. C'est bien ça, c'est bien. C'est cette intention-là qu'on veut. Ah, c'est finalement perdu par Shani. Attention sur le retour, faut pas trop reculer. Allez, c'est bien fait de la part de Frédéric. Il faut pas les laisser tourner, bien pressé de la part de Fred. Allez, encore une fois, Fred qui... Ah, il faut pas s'arrêter Fred, il faut pas s'arrêter. Attention de l'autre côté. Allez, et Catherine. Catherine qui récupère la faute. Aïe, aïe, encore un ballon récupéré haut par les joueuses de Bishop. Attention, bien joué de la part d'Héloïse. Sandrine, Catherine. Ah, encore. Aïe, 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 aïe. Attention et bonne sortie de Dan Gabriel qui récupère le ballon. Et il faut vraiment faire attention là, ces petites passes perdues là dans notre camp. Ouh, encore une fois, Dan Gabriel Saint-Phare. Cette fois qui perd le ballon. Et il aurait peut-être fallu qu'Anne-Gabrielle Marquis sorte de son but. C'est finalement dégagé de la part de Catherine. Et c'est récupéré de la part d'Emile. Ah, c'est de suite perdu. Dommage. Et elles aussi quelques occasions, mais rien de bien franche pour le moment. Ouais, ça manque de justesse. Devant, mais ben, en fait ça manque de justesse partout. Là il faut être plus juste dans nos gestes, dans nos passes. Voilà, là encore une bonne récupération de la part de Fred, parce qu'on est vraiment bien à la récupération, nos Patriotes sont vraiment bien à la récupération. Elles défendent peut-être un peu bas, mais elles récupèrent bien, mais là après on perd vite le ballon sur des petites mauvaises passes ou le mauvais choix, alors que là c'est bien joué de la part des Miblés. Et c'est bien défendu de la part des joueuses de Bishop. Attention, il faut lui parler. C'est ça, pour l'instant, nos devs qui sont quand même bien dans ce match, bien installés, elles font le travail, elles font ce qu'il faut, puisqu'il n'y a pas vraiment eu de grosse occasion du côté de Bishop attention. Pour le moment. Ouf. Bon, attention à ne pas me faire mentir sur des actions comme ça. Heureusement qu'elle loupe son contrôle. Mais c'est ça, pour l'instant, nos défenseuses qui sont présentes, qui répondent à l'appel, puis qui évitent... Un trop gros travail à Anne-Gabrielle Marquis, mais il va falloir être prudent parce qu'on est seulement à la demi-heure de jeu. Il reste beaucoup de temps et il va falloir qu'elles arrivent à se trouver vers l'avant, à monter beaucoup plus haut parce qu'il va falloir aller chercher ce but supplémentaire si on veut repartir avec les 3 points ce soir. Alors que là, ce sera un coup franc pour les joueuses de Bishop. Attention à ces phases arrêtées. Il faut faire très très attention au marquage. Là, il faut être. Faut le garder ce marquage jusqu'au bout. Alors que là, c'est joué en haut, en l'air. Il faut la mettre la tête. Bien joué de la part de Meila. Voilà, il faut faire sortir. Et là, les joueuses de Bishop là, qui jouent sur le côté. Là, ce sera un ballon trop haut et sera récupéré par Anne-Gabrielle Marquis qui joue vite vers Catherine sur le côté. Allez, Tchad l'espace. Aïe, aïe, aïe. Bien joué, bien joué. Bien récupéré de la part de Meredith. Bien joué, ça, sur le côté. Ah, il faut provoquer encore. Allez, c'est bien trouvé. Bien avec joué, Béatrice, parfait. Allez, Meredith. Touche de balle. Allez, Meredith. Elle est au centre. Oh, yo, yo, le mauvais centre. Ah, dommage, c'est la mauvaise zone. Bien récupéré. Allez, de la part de Meila. Frappe. Oh, bien joué.
bien joué. Ça, c'est la première vraie occasion que nos Patriots se procurent par le biais de Meïla. Mais c'est ça, dans les intentions, c'est ça. Faut continuer à pousser, là, à les pousser, à les faire reculer surtout. Et le long dégagement. Et il ne faut pas la laisser se tourner. Bien joué de la part de Chani et Fred. Alors que sur le côté, attention sur le côté. Allez, Louise, il ne faut pas la laisser centrer. Il ne faut pas la laisser centrer. Surtout pas la laisser centrer. Bien joué de la part d'Anne Gabriel Saint-Phar. Et la frappe et l'arrêt d'Anne Gabriel Marquis. Allez, Anne Gabriel qui regarde son bloc, qui cherche des solutions. Ce sera finalement un jouet court avec Héloïse. Héloïse qui cherchait dans l'axe. Il faut lui parler à Fred. Il faut lui dire que ça vient. Et c'est bien contré de la part d'Emmy Blé. Attention, N'Gab, ça vient. Bien dégagé de la part d'Anne Gabriel Saint-Phar. Une nouvelle tête, attention, pas dans ce sens-là, Amy. Et c'est de nouveau le ballon pour les joueuses de Bishop. Ouais, les joueuses de Bishop, comme on le disait, qui ont encore vers l'avant. Allez, conservation du ballon. Voilà, parfait. Il faut conserver. Bien joué. Allez, en voilà. Parfait pour Meredith. Allez, va Meredith. Ah, la gardienne va sortir. Dommage. C'était un petit peu trop fort. Mais c'était bien vu, bien joué de la part de Béatrice. Alors que là, Anne-Gabrielle Saint-Phar perd le ballon. Attention, la course sur le côté. Fred qui est bien redescendu. Attention, ce centre. Oh, bien joué de la part d'Anne-Gabrielle Saint-Phar. Encore, il faut continuer. Et c'est un arrêt de la part de notre gardienne, Anne-Gabrielle Marquis. Qui rejoue sur le côté vers Catherine. Allez. Tu as de l'espace. Ah, au sol. Ah, dommage. Il faut les mettre au sol, ces balles-là. Les Gators qui en profitent pour repasser vers l'arrière avec leur gardienne. Et c'est joué long. Et cette fois, il y a quelqu'un en première intention. C'était Anne-Gabriel Saint-Phar. Mais le ballon est perdu. Attention sur le côté. Bien redescendu de la part d'Emmy. Ouais, elle sera hors jeu. Allez, pour l'instant, nos Patriotes qui se sont très peu créés d'occasion vers l'avant. Et le dégagement d'Anne Gabriel Marquis vers Meredith. C'est finalement récupéré par les joueuses de Bishop. Et c'est bien défendu. Allez, Béatrice. Oh, il faut regarder devant Béatrice. Meredith. Meredith qui a fait l'appel. Allez, Meredith. Allez. Elle est tenue. Allez, la frappe. Oh, yoï, dommage. La gardienne qui s'est bien couchée sur ce ballon qui, dans un premier temps, l'a échappé, puis finalement est restée à terre, a réussi à l'avoir, mais Edith qui n'a pas réussi à s'en défaire. Mais c'est bien, voilà, on voit qu'il y a des possibilités dans le dos des joueuses, des défenseuses de Bishop. Là, on voit qu'il y a des possibilités. En mettant des ballons plus justes, on voit qu'on peut transpercer cette défense. Alors que là, c'est récupéré par nos défenseuses. Fred vers Amy, bien joué. Amy qui envoie un peu derrière sur Meredith. Ah, il faut provoquer. Dommage. Ah, c'est finalement récupéré. Ce sera une touche pour nos Patriotes. Il faut profiter de cette touche pour repartir vers l'avant. Mais finalement, le ballon est déjà rendu aux joueuses adverses. Et nos phases de possession dans leur camp est beaucoup trop courte par rapport à ce qu'elles ont, elles. Alors que là, Meïla, bien joué. Bien protégé de la part de Meïla. Ah, c'est un geste compliqué, mais ce sera quand même une touche pour nos Patriotes.
Et mais il faut demander aussi. Il sera encore une fois récupéré par les joueuses de Bishop. Et Fred qui récupère. Ce sera une faute. Et il va falloir faire les ajustements là. Nos phases de possession dans leur camp sont beaucoup trop courtes. On voit qu'il y a des possibilités, mais il faut allonger nos phases de possession, prendre un peu plus de temps afin de construire nos attaques. Allez, le long ballon, attention Chani pour la couverture. Allez, malheureusement, pas vraiment de possibilité ici. Elle est obligée de jeter ce ballon en touche. Attention Fred au milieu. Allez, c'est bienvenu pressé de la part de Fred. Qui oblige les joueuses de Bishop à repasser par derrière. Attention, bien joué de la part d'Anne-Gabrielle Saint-Phar. Catherine, qui a oublié le ballon. Et finalement, Amy qui la redonne. Meredith. Ce ballon qui sort en touche pour nos Patriotes. C'est de nouveau perdu. Ça manque de justesse, il faut être plus juste là sur ces gestes là. Allez, attention à ce ballon attaque. Pour la joueuse de Bishop. Heureusement, c'était bien fermé par Héloïse et Chani. Ce qui empêche plutôt l'attaquante de l'université Bishop de pouvoir frapper. Et ainsi à Anne-Gabrielle Marquis de récupérer le ballon. Ce serait un dégagement. Il faut y être à la tête. Il faut y être à la tombée, Sandrine. Allez, Amy qui se bat pour essayer de le récupérer au milieu de terrain. Et ce sera une touche pour nos Patriotes. Alors qu'il reste un petit peu moins de 10 minutes dans le temps réglementaire pour cette première période. Et pour l'instant, nos Patriotes qui ont montré 2-3 belles actions, mais qui sont quand même très en difficulté pour conserver le ballon. Ouais, on peine à conserver et on peine à s'approcher de leur camp comparé à elles, aux joueuses de Bishop qui, elles, ont un peu plus de facilité. C'est ça, une grosse conservation du côté de l'université Bishop au niveau du ballon qui construisent, puis qui arrivent à se trouver là où pour l'instant nos Patriotes échappent trop facilement le ballon, et puis comme tu les disais, manque de justesse technique dans leur passe. Allez, Sandrine, pour essayer de conserver ce ballon. Qui conserve. Allez, encore. Bien joué. Catherine pour avancer. Repique dans l'axe, cherche une solution. Elle n'en trouve pas. Et elle trouve finalement avec Meredith. Allez, Meredith. Allez, Meredith. Oh, l'arrêt de la gardienne. Très bonne sortie. De la gardienne qui vient intercepter dans les pieds de Meredith ce ballon. Oui, encore une fois, c'était une très très bonne passe de la part de Catherine vers Meredith qui avait fait le bon choix, et Meredith qui n'a pas pu prolonger ce ballon dans le but, mais c'était très très bien joué. C'est ça, il faut continuer. On voit qu'il y a des possibilités. Alors que là, ce sera un ballon récupéré pour Anne-Gabrielle Marquis. On voit les possibilités qu'il y a offensivement pour nos Patriotes. Allez, Anne-Gabrielle Saint-Phar. Ah, ce sera un ballon perdu. Dommage. On a une joueuse qui est restée à terre. Alors que je crois que c'est Sandrine. Sandrine Blanchette qui est restée par terre. Sandrine qui est aidée à se relever par sa coéquipière Catherine. On la voit qui boite un petit peu. On espère que ça va aller puis que c'est rien de grave. Elle se tient le pied, donc on espère qu'elle va être en capacité de continuer ce match. Alors que le ballon est rendu à Anne-Gabrielle Marquis du côté de nos Patriotes. Et c'est joué court dans les pieds pour
Héloïse Lafleur, chercher au centre pour Frédéric, c'est bien fait en une touche de balle. Allez, il faut la récupérer, Fred. Dommage, ce sera une touche pour les joueuses de Bishop. Attention, il ne faut pas la laisser prendre de ballon. Bien joué de la part d'Héloïse. Pardon, Fred. Cherche une solution vers l'avant. Ah, solution courte. Au sol, la balle. Aïe, 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 dommage. Mais il n'a pas pu récupérer ce ballon. Allez, c'est bien fait de la part de Chani qui est passé devant l'attaquante. Mais encore une passe qui ne trouve personne, si ce n'est les joueuses de l'équipe adverse. Il va falloir s'ajuster en deuxième mi-temps si on veut aller chercher ce but. On a vu quelques bonnes offensives, mais il faut qu'elles soient plus fréquentes. Puis il faut surtout qu'on arrive à conserver ce ballon si on veut avancer avec. Oh, et encore une fois, et finalement, allez Meredith, oh, qui loupe son contrôle. Meredith qui a échappé le ballon sur cette action-là et qui l'a rendu trop facilement à la défenseuse. Allez, alors que pour l'instant, ce sont les joueuses des Gators qui s'orientent vers le but. Et bien bon dégagement d'Héloïse Lafleur. Ce sera une touche pour les joueuses de Bishop. Allez, Meredith pour Sandrine. Et ce ballon qui sort cette fois-ci en touche. Ce sera une touche pour nos Patriotes de nouveau. Béatrice au milieu, il faut lui mettre. Voilà, parfait. Allez, c'est bien fait. Maintenant, il faut changer de côté. Oh, qui a laissé partir le ballon. Aïe. Bon ballon de Héloïse vers Chani. Chani qui joue, se retourne. Elle arrive à passer. Elle a vu le départ de Meila, mais préfère calmer le jeu. Voilà, il faut calmer. Il faut conserver ce ballon. Et on va refaire un tour, on va repasser par l'arrière avec cette fois-ci Catherine qui cherche une solution. Et on refait tourner avec Anne-Gabrielle pour Héloïse. Voilà, c'est bien, prolonger ces phases de possession. Allez, Héloïse qui court. Il ne faut pas la perdre ici, Allez, Héloïse, il faut la mettre au milieu. Oh, bien joué, très bon choix vers Fred. Ah, dommage, la passe qui a été coupée par la défenseuse de Bishop. Allez, Chani qui est montée très haut pour le pressing. Attention à cette balle-là. Attention. Ouh, l'attaquante qui va très vite. Et Anne-Gabrielle Marquis qui fait une bonne sortie là. Heureusement, parce que là, l'attaquante de Bishop qui allait très, très, très vite. Ouais, très, très bonne sortie d'Anne-Gabrielle Marquis pour aller sauver cette offensive. On l'a vu, l'attaquante qui était passée devant Catherine. Prise de vitesse. Elle allait se retrouver en face à face. Avec la gardienne, heureusement, Anne-Gabrielle Marquis qui est venue couper court cette action et repousser le ballon d'un tacle parfaitement orchestré. Alors que le ballon repart déjà dans la surface, la percée. Attention, il faut la sortir. Oh, pas comme ça. Oh, bien joué de la part d'Emmy. Et Catherine qui va dégager ce ballon. Il faut arriver à éloigner le danger tout en conservant le ballon. Allez, il faut monter maintenant. Voilà, il faut monter. Le long dégagement. Catherine qui va... Ah non, ce sera un hors-jeu. Oh, attention. Attention, cette passe-là perdue d'Anne-Gabrielle Saint-Phare. Ouh. Anne-Gabrielle, face à face avec la gardienne, et ce sera l'ouverture du score de l'Université Bishop. Ouais, au plus mauvais moment, là, il y a seulement une minute de la fin du temps réglementaire. C'est un coup dur pour nos Patriotes qui sont fait surprendre une première fois. Puis là, on va revoir ce but. Aïe, aïe, aïe. Allez, il faut repartir pour nos joueuses.
des pêcheurs comptés par la numéro 10, Andrea Boilly. Une aide est accordée à la numéro 9, Michaela Merichin. Alors que c'est perdu par nos patriotes là. Allez, il faut y aller à la tête. Aïe 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 aïe. Et c'est un dégagement là de Demi vers l'avant. Et cette mauvaise touche qui amène une bonne touche pour nos patriotes. Allez, c'est le moment d'aller chercher un petit but juste avant le retour au vestiaire. Ça ferait beaucoup de bien au moral plutôt que de rentrer là sur ce score de 1-0. Alors que l'arbitre vient de siffler une faute. Je ne sais pas trop d'où, mais apparemment il y a faute. Allez, Sandrine en première intention pour la tête. Émi. Oui, la part d'Émi. Il faut y être au deuxième ballon. On n'y est pas au deuxième ballon. Attention, pourquoi la laisser rebondir? Et Louise qui envoie ce ballon vers Catherine. Et ce sera la mi-temps. Ouais, il y a un premier 45 minutes de jouer ici. Puis ce but malheureusement encaissé à la 43e minute de jeu. Qu'est-ce qu'on peut penser pour l'instant de cette première demi? Malheureusement, nos patriotes, il leur manque de la justesse. On n'est pas juste dans nos gestes, dans nos passes, dans nos choix. Il manque tout ça et malheureusement, les joueuses de Bishop, elles jouent leur jeu. Elles gardent leur bloc bas. Et quand elle récupère, elle part en contre. Là, sur le but, on a pu voir que c'est sur une récupération, sur une seule passe. Elles sont allées vers l'avant et elles ont marqué. En deuxième mi-temps, il va falloir être plus juste techniquement pour nos Patriotes si elles veulent espérer pouvoir aller marquer. On a vu qu'elles ont eu des occasions, mais malheureusement, on n'a pas réussi à la mettre. Et il va falloir trouver des solutions de la part de Djurnik pour que nos joueuses réussissent à aller marquer. Oui, c'est ça. Pour l'instant, on voit qu'il y a eu quelques occasions de la part de nos Patriotes, qu'elles ont su trouver l'espace à certains moments. Mais il manque quelque chose, il manque cette justesse technique pour qu'on aille chercher un but véritablement. Pour aller se créer de vraies, véritables occasions déjà, parce que c'est vrai que nos occasions sont toujours arrivées sur des phases plus ou moins construites. Et là, on voit que les joueuses de Bishop, là maintenant, ce qu'elles vont faire en deuxième mi-temps, je suppose, c'est qu'elles vont la jouer encore très très bas, en bloc, et jouer que le contre. Et c'est ça, il va falloir trouver des solutions. C'est ça. En tout cas, pour l'instant, on le rappelle, nos Patriotes qui sont menés sur la marque de 1-0 à la mi-temps. Et on se retrouve dans moins d'une quinzaine de minutes pour les 45 prochaines minutes de cette deuxième période. A tout de suite. A tout de suite.
voiture de la marque Hyundai, ainsi qu'une clé de maison. Et sur le côté, il y a également un porte-clés Viva Mexico et une petite breloque indiquant le nom de Lori. Donc, vous portez Viva Mexico et Lori. Si vous êtes propriétaire de ces clés, vous pouvez vous présenter à la galerie presse pour les réclamer. Et les deux équipes qui reviennent se positionner sur le terrain pour entamer cette seconde période de ce match qui oppose nos Patriots aux Gators de l'Université Bishop. Un seul changement à noter du côté de nos Patriots, l'entrée de Rosalie Lalonde à la place de Sandrine Blanchette. Donc un renfort au milieu de terrain, on va chercher certainement à plus les trouver sur le terrain, à mieux combiner et puis à réussir finalement à trouver nos attaquantes vers l'avant. Alors que là, les joueuses de Bishop qui envoient directement ce ballon vers l'avant, il faut lui parler. Attention Catherine, bien joué de la part de Catherine qui a bien protégé ce ballon. Et ce sera un coup de pied de but pour notre gardienne Anne-Gabrielle Marquis. Oui, déjà Bishop qui montre ses ambitions, qu'elles ont envie d'aller vers l'avant et certainement de sécuriser attention à cette récupération. Passe dangereuse et la frappe de loin. Son frappe et c'est un bel arrêt de Anne-Gabrielle Marquis. Allez, les Gators déjà qui entament très bien ce début de match alors qu'on n'est même pas à la minute de jeu. Et il faut récupérer Béatrice. Il faut conserver. Bien joué. Héloïse, Vermeila, yeah, c'est raté. Il faut récupérer. Les joueuses de Bishop qui envoient ce ballon vers l'avant. Et c'est finalement récupéré de la part de Anne-Gabrielle Marquis. Anne-Gabrielle Marquis qui joue à Héloïse. Est-ce qu'on va vers l'avant? Dommage, c'est finalement perdu. Ce sera un ballon pour les joueuses de Bishop. Et attention, Rosalie qui essaie de récupérer le ballon. Bien joué de la part de Rosalie qui l'a bloqué. Ce sera quand même une touche pour les joueuses de Bishop. Allez, il ne faut pas la laisser se retourner. Mais elle parvient à faire une passe. C'est bien fait de la part de Rosalie qui pousse un petit peu ce ballon et qui empêche l'attaquante de jouer son jeu correctement. Ouais, ça va être long. Allez, il faut jouer sur le côté. Bien joué, Anne-Gabrielle. Qui donne vers Chani, qui a l'espace. Allez, elle va vite. Bien joué. Et Miblé. Ah, il s'est finalement perdu. Il s'est récupéré quand même par Chani. Chani vers Amy. Bien joué le 1-2. Chani qui cherche une solution. Elle la trouve sur l'aile. Ça revient finalement dans les pieds de Chani qui cherche une solution. Bien joué. Dommage. Bien récupéré de la part de Rosalie. Amy. Et Fred qui va récupérer. Aïe, il s'est finalement perdu, dommage. Allez, c'est bien. Elles essayent de prolonger les phases de possession dans le camp adverse. C'est bien. De la part de nos joueuses. Alors que là, le dégagement est raté. Bon ballon de Rosalie vers Meila. Aïe, dommage. C'est récupéré par la défenseuse. Amy qui vient récupérer au milieu. Et ce sera une faute finalement. Mais c'est bien. C'est bien. Elle n'a pas laissé prolonger sa course. Allez, ce coup de pied arrêté qui va permettre aux Gators de se dégager de leur zone. Il faut y être à la tête. Allez, c'est Catherine bien récupéré qui récupère. Anne-Gabrielle Saint-Phare qui envoie vers l'avant. Meredith, non, qui n'a pas pu avoir le ballon. Attention, il faut y être à la tête. Il faut y aller à la tête. Et Catherine qui perd le duel. Attention, un contre un. Allez, Amy pour repousser ce ballon et finalement ça sort en touche. Pour les Gators qui vont pouvoir se relancer toujours dans le territoire, nos Patriotes. Julia Robert pour la touche. Et Meredith qui manque de récupérer ce ballon. C'est une faute signalée par monsieur l'arbitre. Ce sera un coup de pied arrêté là pour les joueuses de Bishop.
Allez, alors que Marie-Pierre Baudouin se relève, on la voit quand même hésitante. Elle a pris un coup, je pense, peut-être à l'arrière du pied. Attention à ces phases arrêtées là pour nos joueuses. On sait que ces phases arrêtées sont toujours très dangereuses là. Alors que c'est Tigane Hendley qui se prête au jeu. Il faut y aller à la tête, bien joué. Sur la volée, et ce sera loin. Oui, bien fait de la part de Catherine Laroche pour repousser ce ballon dans la surface. Et heureusement, une frappe complètement dévissée derrière de la part de la joueuse de Bishop. Allez, ça permet à nos Patriotes de repartir. Louise qui dégage ce ballon un peu pour personne. Heureusement, c'est finalement récupéré par Chani sur le côté qui envoie Meila. Meila qui contrôle et ça, c'est une faute. C'est une faute pour nos Patriotes. Allez, Chani pour prendre ce ballon. Cherche des solutions. Allez, Catherine pour essayer. Et elle avait l'espace, c'est dommage. Elle avait l'espace pour continuer, malheureusement. Elle a pris la décision de frapper. C'est à côté. Mais c'est bien dans les intentions. On voit qu'elle pousse. Qu'elle essaie de se créer de bonnes occasions pour aller égaliser. Attention, peut-être avec Frédéric qui essaye de conserver ce ballon. C'est bien fait. Elle le redonne à Meila. Meila qui se retourne, cherche une solution vers la bon centre. Peut-être bon pour Meredith. Meredith qui évite ce ballon. Aïe, 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 dommage. Bonne couverture de la part des défenseuses de Bishop. C'était bien joué dans l'intention de la part de Meila. Son centre était bon. Alors que Chani a voulu presser. C'est finalement bien prolongé de la joueuse de Bishop. Attention. Bien couvert de la part d'Héloïse qui envoie ce ballon en touche finalement. Allez, la touche pour l'Université Bishop, ça vient directement dans les pieds et ce ballon qui ressort pas. Mais heureusement, une touche trop longue et ce sera finalement un 6 mètres pour Anne-Gabrielle Marquis. Allez, c'est joué court avec Anne-Gabrielle Saint-Phare. Cherche une solution. Elle l'a cherché dans l'axe avec Meredith. Allez, une bonne tête de Amy. C'est finalement prolongé par la joueuse de Bishop. Oh, c'est pas une main, ça. Aïe, 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 aïe. L'arbitre qui va donner un coup franc pour les joueuses de Bishop. Un coup franc bien placé. Oui, toujours Tigane Hendley pour venir chercher ce ballon. On l'a vu déjà en ce début de deuxième mi-temps. Des coups de pied arrêtés qui peuvent être dangereux. Puis souvent placés au point de pénalty. Il va falloir être vigilant, puis mettre la tête. Allez, il faut y aller. Attention. Allez, faut attention, ce ballon qui traîne. Ballon maintenant. Et ouais, c'est finalement une faute. Faute gagnée par nos Patriotes là qui vont pouvoir se sortir. Alors que Anne-Gabrielle fait ce dégagement vers Meila. Ah, il y a le mauvais contrôle de Meila qui renvoie dans son camp. Et c'est finalement récupéré par Amy. Les joueuses des Patriotes qui essaient de sortir. C'est finalement récupéré par les joueuses de Bishop. La frappe et ce sera loin au-dessus. Oui, il faut réussir à les empêcher, les joueuses de Bishop, les empêcher de frapper. Elles ont pour l'instant trop d'espace encore. On ne devrait même pas leur laisser l'occasion de tirer ces ballons-là. Bien joué de la part de Béatrice, là, qui essaie de prendre le jeu à son compte. Et elle a passé trop longue. Aïe, dommage. Dommage de la part de Catherine. Bonne tête d'Emmy. Allez, deuxième ballon. Bien joué. Une touche pour nos Patriotes.
Catherine qui s'empresse de venir chercher le ballon. Elle s'est jouée vite avec Béatrice vers l'avant. Attention, ce petit bien jet beau technique. Geste de Béatrice. Ah, dommage. Ouais, la couverture a été bonne de la part de la défenseuse de l'Université Bishop. La bonne couverture. On voit que les joueuses de Bishop là sont toutes regroupées dans... Leurs trois défenseuses sont toutes regroupées dans le centre, là, dans la surface. Béatrice, pardon, qui essayait de faire quelque chose avec ce ballon. C'est finalement une nouvelle fois repoussé. Et une nouvelle touche pour nos Patriotes, encore une fois, avec Catherine. Chercher Meredith bien de joué, la tête. Bien prolongé de la part de Meredith. Béatrice, aïe, 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 dommage. Allez, c'est bien. Elles essaient de pousser, elles essaient de trouver la clé pour rentrer dans cette défense-là. Défense très, très regroupée de Bishop. Mais on le voit là, pour l'instant, hein, nos Patriotes qui arrivent à progresser petit à petit dans le territoire adverse. Attention, là, c'est dégagé. Bonne tête d'Emmy vers Héloïse. Qui joue vers Chani. Chani qui joue vers sa gardienne. Gabriel vers Gabriel Saint-Phare. Qui redonne à sa gardienne. Qui dégage ce ballon. Bon dégagement. Aïe, dommage. Mais c'est... Rosalie peut peut-être la récupérer. Et ce sera une touche pour nos Patriotes. Meïla qui va donner vers Béatrice. Jutra qui finalement va perdre ce ballon. Mais ce sera quand même une touche pour nos Patriotes. Voilà. Dommage, ce sera finalement dégagé par les joueuses de Bishop. Emmy qui va donner ce ballon vers Chani. Allez, tu as l'espace, Chani. Chani qui cherche Chani dans qui l'axe. Centre. C'était pour Meredith, mais c'est finalement. Personne au deuxième repoussé. Ballon, malheureusement. Bien joué de la part de Rosalie. Allez, Maïla, il faut rentrer. Allez, peut-être Meredith. Dommage. Et finalement, interception. Peut-être essayer de rentrer là, mais Maïla dans la surface. Avant de centrer ce ballon. Mais c'est pas grave, c'est bien dans les intentions. On voit qu'elle pousse, qu'elle essaie de se procurer quelque chose. Alors que là, c'est récupéré. Elle récupère de plus en plus haut, là, nos Patriotes, le ballon. C'est bien. Alors que là, ça a finalement une mauvaise passe d'Emmy. Mais Rosalie Lalande qui récupère. C'est de nouveau perdu. Là, encore un ballon gratté par Rosalie Lalande. Béatrice. Qui attend Meïla sur le côté. Allez, Meïla. Meïla pour le centre. Pour le centre. Frédéric peut-être. C'est finalement. Emmy, la frappe. Oh. Et ce ballon qui passe très proche. La gardienne avait bien plongé. Et ce ballon qui vient frôler le poteau adverse. Récupération de Chani qui a l'espace. Et Chani qui a l'espace. Tu peux continuer encore. Elle envoie une bonne passe vers Meïla. Encore Chani. Ah, dommage. Et ce sera de nouveau une touche pour nos Patriotes. Alors qu'on a un changement du côté de l'Université Bishop. La sortie de la numéro 9, Michaela Maranchin, et qui laisse sa place. Pour la numéro 13, il me semble, Tiffany Smith. La touche de Chani, Béatrice, ça y est, dommage. Ce sera une touche finalement pour les joueuses de Bishop. Attention au milieu. Chani qui envoie de la tête, Emmy, Armeïla, Chani, Meïla. Rosalie, Meïla, bien joué. Ça, c'est bien joué. Allez, c'était pour Béatrice, mais la passe est un petit peu trop longue. Ah, dommage, ce sera finalement un corner. Bonne couverture, mais belle action ici de la part de nos Patriotes qui s'obtiennent un corner. On sait qu'elles sont performantes là-dessus. Oui. Elles ont marqué la semaine passée contre Sherbrooke sur un corner, sur une tête d'Héloïse.
Exact. Si on peut revenir dans ce match-là, grâce à cette phase arrêtée, ce serait parfait. Bon, ballon Meïla qui va essayer de rejouer vers Fred. Aller chercher une solution. C'est finalement jouer en retrait avec Chani. Fred à nouveau Fred encore. En face à face. Cherche à passer, mais une c'est touche. Bien couvert. Chani pour le centre. En une touche. Et c'est finalement, attention, il ne faut pas la laisser partir. Allez, et c'est bien joué de la part d'Emi qui a essayé de la ralentir. Attaquant de Bishop qui va face à Anne-Gabrielle Saint-Far qui récupère finalement ce ballon. Bien joué, bien défendu de la part d'Anne-Gabrielle Saint-Far. Ouh, attention. Allez, Rosalie, bien joué de la part de Rosalie. Très, très bien joué. Allez, Meredith. Oh, dommage, va Béatrice. Bien joué au niveau du pressing. Oh, il n'y a personne sous le ballon. Allez, Amy pour récupérer Amy ce ballon vers Catherine. Elle repasse par derrière pour calmer le jeu, faire ressortir un petit peu ce bloc compact des Gators. Et on repart avec Héloïse Lafleur. Cherche une solution vers l'avant. Au sol. Oh, dommage. Et c'est finalement récupéré de la part d'Amy. Bien joué. C'est bien fait, elle a vu Meïla partir sur le côté, sur bien joué. Allez, il faut l'avoir. Dans l'axe, Meïla. Allez, oh, bien joué, bien joué. Elle est contrée, ce sera un corner pour nos joueuses. C'est dommage, mais c'était très très bien joué de la part de Meïla sur le côté encore une fois. Elle a mis son adversaire au sol et finalement sa frappe aura été contrée. C'est bien, nos Patriotes sont revenus avec de bien meilleures intentions là dans cette deuxième mi-temps. Ça fait maintenant un quart d'heure que cette mi-temps a repris. Toujours 1-0 pour les joueuses du Bishop et ce sera un corner pour nos Patriotes. Bien tiré de la part de Fred. Bien joué au deuxième poteau. Oh, j'ai cru qu'il y avait but. Oh, but. Et c'est dommage pour nos Patriotes. Magnifique. Enchaînement, Béatrice pour récupérer ce ballon. Finalement, très bien ressorti. Et puis Catherine en deuxième intention pour essayer de le mettre au fond. Puis la gardienne qui est restée vigilante. C'était très très bien joué de la part de Catherine, là, cette frappe. Très très belle frappe. Allez, Meredith pour le pressing. Ce sera finalement une touche pour l'Université Bishop. Et un nouveau changement. La sortie de la numéro 6. Shannon Fee et qui laisse sa place à la numéro 12, Zara Métivier. Non, c'est finalement la numéro 2 qui a fait son entrée. Donc Lily Manal Fretwell qui fait son retour sur le terrain. Alors que là, nos Patriotes qui ont récupéré le ballon. Bien joué de la part d'Héloïse qui envoie Meïla. De nouveau Héloïse. Et c'est finalement un ballon contré. Ce sera pour nos Patriotes. Attention à ce dégagement. Attention, il faut pas qu'elle frappe. Voilà, sa frappe est trop croisée. Oui, bon retour de nos défenseuses qui a forcé un petit peu la numéro 13 Smith finalement à frapper plus rapidement que prévu. Donc heureusement ça a permis que cette frappe ne soit pas cadrée. Mais allez, il faut se remettre dans ce match là, elles ont montré nos Patriotes qu'elles avaient de bonnes intentions. Il faut poursuivre sur cette lancée là. Et pas laisser de l'espace. Il ne faut pas laisser les joueuses de Bishop se réinstaller tout simplement dans notre camp. Alors que là, ce sera une nouvelle touche pour les joueuses de Bishop. Et il ne faut pas qu'elles s'installent là. La bonne tête d'Emi. Et c'est une faute pour nos Patriotes. Emi qui a été poussée dans le dos.
et Louise pour prendre ce ballon. Est-ce qu'elle va chercher un long dégagement ou à jouer court? Elle attend surtout d'avoir des solutions. Elle sera finalement vers l'avant pour Meredith. Meredith qui a essayé de prolonger le ballon vers Catherine, mais c'est finalement contré. Ce sera finalement un ballon pour les joueuses de Bishop. Attention dans le dos, Catherine. Ah, ce sera finalement un changement. Frédéric Métivier qui va sortir pour laisser sa place à la numéro... Il n'y a pas le numéro d'ici. Je pense que c'est Sandrine Blanchette qui doit faire son retour sur le terrain. Ah ouais, effectivement, c'est ça. Sandrine qui, à la mi-temps, avait cédé sa place pour l'entrée de Rosalie Lalonde. Rosalie qui, pour l'instant, fait beaucoup de bien à cet effectif, ouais, de nos Patriotes. Elle a fait beaucoup de bien au milieu de terrain, alors que Amy Blé aussi va laisser sa place. Oui, Amy qui laisse sa place. Pour, je pense, à Marie Soleil. Oui, la numéro 16, Marie Soleil Lepage. Marie-Soleil Lepage qui fait ses premiers pas sous les couleurs des Patriotes ce soir. Bien joué de la part de Meredith pour Meïla. Ouh, dommage, mais c'était bien joué. Elle qui nous arrive des Diablos du cégep de Trois-Rivières et qui joue donc ce soir son tout premier match sous les couleurs des Patriotes. Donc on va pouvoir voir ce qu'elle va pouvoir nous apporter dans ce match. Allez, alors que pour l'instant, poursuivre. L'action est en faveur des Gators et bonne et sortie, sortie, bonne anticipation d'Anne Gabriel. Il faut pas la perdre, il faut pas la perdre ici. Attention Marie-Soleil, il faut pas la perdre ici. Bien joué, bien pressé de la part de Anne Gabriel Saint-Phare, qui a pas laissé la défenseur se retourner. Bonne récupération de la part d'Éloïse Lafleur. Ouh, attention, Marie-Soleil qui vient de se faire bouger. Alors qu'on voit du coup Meïla qui est passée en position d'attaquante de pointe. Béatrice qui est redescendue d'une position, tu en parlais au début de ce match. De numéro Béatrice 10. Qui est capable d'évoluer sur les deux postes, puis qui là justement est redescendue au milieu de terrain en position de numéro 10. Ce qui permet donc à Marie-Soleil d'occuper ce côté gauche. Bien joué de la part de Béatrice là, qui a bien conservé. Oh, bon ballon de la part de Meïla vers Meredith. Allez Meredith, allez Meredith. Aïe, 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 dommage. Et ce sera une faute sifflée contre Meredith. Ah, c'était très bien joué de la part de Béatrice, puis Meïla. Et ce sprint de Meredith là qui finalement se solde par une faute. Allez, c'est bien. Il y a la place pour nos Patriotes. Elles ont des possibilités là. C'est un long ballon joué par les ballon. Gators. On a du mal à être présente sur le premier ballon là, sur leur long dégagement malheureusement. Donc là c'est de nouveau récupéré haut. Attention, bien joué. Et ce sera finalement récupéré pour Shani qui va accélérer, qui va mettre ce ballon vers Meïla. Mais là, c'est un peu trop long pour Meredith, malheureusement. Mais c'est ça qu'on cherche aussi, un jeu rapide en une touche de balle. C'est ce qui a fonctionné jusqu'à présent, mais c'est là où il faut être très juste techniquement. Exactement. Et là où on a le plus de mal. Attention à ce ballon-là pour la joueuse de Bishop. Et il sera finalement récupéré par Anne-Gabrielle Saint-Phare qui va dégager. Et ce sera finalement une faute gagnée. Très très bien défendue de la part d'Anne-Gabrielle. C'est vite joué. Sandrine qui va jouer vers Catherine. Il faut l'attaquer le ballon là. Sandrine. Anne-Gab vers Rosalie. Bien joué. Allez Rosalie, t'as de l'espace. Ah, y a dommage. Mais c'est finalement récupéré. Elle le récupère. Bien joué de la part de Rosalie. Marie-Soleil. Qui n'a pas réussi à conserver ce ballon malheureusement sur le côté.
Allez, le pressing, il faut y aller tout ensemble. Et, là, il y a seulement Meïla, et qui pressait un peu toute seule là, malheureusement. Et c'est une touche, ça, c'est une touche. Allez, Catherine pour la touche. Cherche des solutions. Elle va la trouver avec Marie-Soleil, mais ce sera finalement intercepté, remis en touche par la joueuse des Gators. Nouvelle touche pour nos Patriotes. Catherine pour Meïla. Il sera finalement dégagé. Allez, attention pour Anne-Gabrielle de ne pas se faire dépasser. C'est bien conservé. Bien joué. Ouh, attention. Attention, Catherine sur le côté. Allez, Smith avec le ballon qui cherchait au centre. Et Sandrine qui a fait l'effort de revenir défendre. Bon effort. Attention au deuxième ballon encore. Bien joué de la part de Sandrine qui essaie de pousser ce ballon vers l'avant. Mais c'est récupéré par les joueuses de Bishop. Il ne faut pas la laisser avancer, il ne faut pas la laisser frapper. Bien joué, bien contré de la part de Sandrine, d'Héloïse, alors que là c'est un contre. Un bon contre. Aïe. Dommage, on n'a pas réussi à en profiter, heureusement. Ouais, l'intention était vraiment bonne ici d'aller chercher Meredith qui était lancée dans sa course. Ouais, ce sera finalement un ballon pour nos Patriotes. Pas vu qu'est-ce que l'arbitre a sifflé. Non, effectivement, on regardait l'action qui se projetait vers l'avant. Oh, puis, bien joué de la part de Béatrice. Malheureusement, ça a été intercepté, mais c'est récupéré par Maïla qui donne à Meredith. Meredith qui donne vers Chani. Bien joué, Chani. Bien joué, Chani. Le centre. Oh, dommage. C'était vraiment bien joué. Très, très bon centre. Très bien joué de la part de nos joueuses là qui tentent. Alors qu'on vient d'atteindre la 70e minute de jeu. Allez, il reste encore du temps pour aller chercher ce match. Pour aller chercher l'égalisation d'abord, puis aller chercher ce match. Donc là, cette touche est jouée sur Béatrice et ce sera un corner. Allez, nouveau corner pour nos Patriotes. Elles ont montré qu'elles savaient faire là-dessus. Il n'y a pas une dizaine de minutes de cela. Elles ont failli réégaliser. Ça a finalement été bien repoussé par les Gators. Mais une nouvelle tentative ici. C'est bien tiré la tête. Ouh, dommage. Allez, il ne faut pas les laisser sortir Rosalie pour faire l'effort pour empêcher. Très bel effort de Rosalie qui récupère le ballon et qui va récupérer le ballon. Bien joué, bravo. Alors que là, elle envoie vite la touche vers Catherine. Ah, dommage. Allez, Rosalie, encore une récupération. Rosalie qui joué de la part de Rosalie qui frappe. Ah, dommage. Malheureusement, sa frappe aurait été trop molle. Mais c'était vraiment bien joué. Elle s'est battue. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'il faut pour nos Patriotes là jusqu'à la fin de ce match. Se battre pour aller chercher ce but égalisateur. Allez, Béatrice qui essaye d'empêcher la joueuse de progresser. Là, il ne faut pas la laisser trop avancer. Il ne faut pas la laisser avancer. Bien joué de la part de Chani, bien joué, bien récupéré Chani. Chani qui relance le jeu avec Béatrice. Béatrice tourne, il faut se tourner. Oh, dommage. Elle gagne quand même la touche, bien joué. Allez, Meredith pour récupérer ce ballon, essaye de percer dans l'axe. Allez, pour Rosalie, il fallait changer. L'autre côté, bien joué de la part de Sandrine. Et ballon pour Meïla. Dommage qu'il n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Allez, il faut presser avec Meïla là. Il ne faut pas qu'elle presse toute seule. Alors que là, les joueuses de Bishop qui prolongent, qui envoient loin vers l'avant. Ce sera quand même une touche pour nos Patriotes. Chani qui donne à Meredith. Meredith qui va vers l'avant. Bonne passe vers Béatrice. Sandrine. Il faut changer. Gabrielle pour chercher Catherine. Bonne passe vers Catherine. Catherine qui est obligée de repasser. Allez, il faut changer. Pour Meïla, dommage. Qui loupe son contrôle. C'est dommage.
Et là, qui vient presser la gardienne pour faire jouer plus vite. L'obliger à reprendre ce ballon et à le dégager. Bien joué de la part de Marie-Soleil. Là, le pressing, il faut la forcer à dégager. Voilà, parfait. Parfait, c'est très bien ça. C'est très bien au niveau du pressing. Là, elle force à l'erreur. La gardienne de Bishop, nos Patriotes. Et là, c'est une touche pour elle. Et Catherine, pour Béatrice qui s'est prolongée. Une deuxième fois, c'était pour Meila, mais ce ballon qui ressort une nouvelle fois en touche. Il faut que Meredith elle rentre un peu plus vers l'axe, là, si, au cas où s'il y a un centre. Bien joué de la part de Béatrice. Oh, qui s'est fait accrocher, c'est une faute, ça. Oh là là, l'arbitre qui ne siffle pas. Allez, Chani pour relancer le jeu pour dans l'axe. Meila. La tête dommage. Un petit peu longue. Dommage, c'était un peu long. C'était bien joué. C'était bien pensé de la part de Meila d'essayer de prolonger. C'était juste un peu long. Oh, il n'y a personne au milieu. Ouh là 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 là. Attention, et Chani qui a glissé. Et la bonne sortie d'Anne Gabriel. Attention. Attention, il faut pas la perdre. Il faut pas la perdre. Bien joué de la part d'Anne Gabriel Saint-Phare là qui envoie le ballon vers l'avant. Et l'arbitre qui va siffler une faute. Faute pour nos Patriotes. Allez Louise. Pour les joueuses de Bishop. C'est bien tiré. Il faut la dégager. Allez, il faut la dégager. Et ce sera finalement un coup de pied de but. Anne Gabriel qui joue vite vers Héloïse. Anne Gabriel Marquis qui donne Anne Gabriel Saint-Phare. Ah, il faut avancer, tu as de l'espace. Marie-Soleil, oh le contrôle est raté malheureusement. Et les joueuses de Bishop n'en profitent pas. Et le temps qui file là pour nos Patriotes. Oh attention la passe. Oh, attention, ouh. Gabriel Saint-Phare qui... Ouh là 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 là. Heureusement, c'est pas perdu ce ballon. Et Anne-Gabriel Marquis qui va dégager ce ballon. Mais c'est finalement récupéré par les joueuses de Bishop. Et Rosalie qui récupère de nouveau ce ballon. Catherine qui va réussir à gagner le coup de pied de but pour sa gardienne. Et Béatrice qui veut prolonger ce ballon, malheureusement c'est raté. Ce sera de nouveau un ballon pour Anne Gabriel Marquis. Et un nouveau changement du côté de nos Patriotes. Avec la sortie d'Anne Gabriel Saint-Phare. Et l'entrée de la numéro 18, Eve Brisson. Donc on vient ici sortir un élément défensif, faire entrer un élément plus offensif. On va passer à 4 attaquantes sur l'avant, 3 def. On voit vraiment les intentions ici de l'entraîneur-chef de vouloir aller chercher ce ballon. Ouais, là, c'est
pas tout pour l'attaque, mais presque. Mais c'est vraiment important ici d'aller chercher les 3 points ce soir si on veut pouvoir se relancer dans le classement. Les choses ont été bien entamées le week-end passé avec 4 points, une victoire, un nul. Mais c'est sûr que 3 points ce soir, ce serait vraiment primordial pour se relancer à cette mi-saison. Oui, c'est sûr. Et puis là, contre une équipe qui est en plus derrière nous au classement, là, il est clair qu'on ne peut pas les laisser nous passer devant. Et puis si on veut aller chercher les playoffs, ce genre de match-là, il faut clairement aller les chercher. Non, c'est ça. Il faut aller mettre ce but. Il reste même pas 12 minutes. Catherine, il faut jouer vers l'avant. Attention, il ne faut pas la perdre. Sandrine. Après, il faut pas non plus trop dépeupler cette défense. Il va falloir rester solide en arrière si on ne veut pas en encaisser plus. Mais c'est sûr qu'il faut jouer loin vers l'avant. Allez, Meïla. Il faut y aller devant. Et Meïla qui n'a pas réussi à rentrer. Mais elle va aller chercher le centre. Bien joué de la part de Meïla. Bien joué encore. Allez, mais il a pour Béatrice, la frappe. Aïe, personne n'a réussi à prolonger ce ballon, malheureusement. Ouais, ce ballon qui a traversé toute la défense adverse, mais sans difficulté pour la gardienne qui vient se coucher facilement sur ce ballon. Et le dégagement. Et encore une fois, il n'y a personne à la tombée, malheureusement. Mais c'est finalement récupéré par Sandrine. Qui envoie Béatrice qui envoie vers Chani. Chani qui rejoue avec Béatrice. Et Béatrice qui cherche une solution pour jouer vers l'avant. Elle le voit avec Meredith. Bien joué. Allez, Meredith. C'est finalement dégagé en touche pour nos Patriotes. Chani qui la joue vite. Aïe, le contrôle est raté. Allez, Sandrine, pour dégager ce ballon. Et là, il faut l'envoyer dans la surface. Il reste 10 minutes, là. Ce serait le temps de venir égaliser pour mettre un peu le feu à la fin de ce match. Et malheureusement, personne pour reprendre ce ballon. Allez, il ne faut pas sortir Catherine pour le repousser de la tête. Et peut-être un corner obtenu. Et c'est chose faite. Corner pour nos Patriotes. Et une nouvelle occasion devant le but de faire quelque chose. Alors que c'est Sandrine qui récupère le ballon. Elle est bien tirée, la pointe pénalty. C'est bien tiré, ça c'est bien tiré de la part de Sandrine. Allez, il faut mettre le pied. Ah, dommage. Allez, Rosalie, une nouvelle fois qui va se battre pour conserver le ballon pour nos Patriotes et revenir directement. Bien joué de la part de Rosalie, la bonne conservation du ballon. Et ce sera un nouveau corner. Sandrine, une nouvelle fois qui va chercher ce ballon. Elle nous l'a prouvé, elle sait les tirer, ses corners. Allez, faut y aller à la tête là, faut y aller mesdames. Et c'est joué court. Et ce sera ce sera un coup de pied de but. Oui, certainement. Catherine, en avant, qui a essayé de reprendre ce ballon, puis c'est finalement sorti directement en sortie de but. Et les Gators qui vont pouvoir se dégager. Le dégagement. Oh, dommage. Sandrine aurait pu récupérer ce ballon. Ce sera finalement une touche lointaine là pour nos Patriotes. Allez, il faut réussir à profiter. Là, les Gators, elles commencent à faire plus de fautes aussi, à échapper ce ballon dans
il faut profiter de cet avantage-là qu'on peut avoir, nous, pour être plus juste techniquement et d'avancer plus rapidement vers le but. Allez, Anne-Gabrielle qui a parlé à sa défense pour lui laisser le ballon. Bien joué. Et qui dégage, bien ce joué, sera pour bien Meïla. Prolongé de la part de Meïla. Et ce sera une faute. Bien gagné de la part de Meïla. Allez, Béatrice, cette fois qui s'élance. Ce sera joué court avec Shani. Shani qui cherche une solution avec Eve. Eve qui se retourne face à deux joueuses, elle passe pas. Et attention, ça repart pour Bishop. De l'autre côté, Loïse, il faut faire l'effort de récupérer ce ballon et c'est bien fait. Et redonner à Anne-Gabrielle Marquis pour se redonner de l'espace. Et bon dégagement, Meïla, bon contrôle. C'est finalement perdu. Allez, Catherine pour la récupérer. Encore bien joué de la part de Catherine. Et Marie-Soleil qui ne réussit pas à prolonger ce ballon, malheureusement. Rosalie qui ne réussit pas à récupérer ce ballon. Attention Catherine sur ton côté. Et la joueuse de Bishop qui essaie de changer, mais c'est perdu finalement. Allez, Anne-Gabrielle qui relance avec Shani Soulière. Shani qui s'avance mais qui ne voit pas de solution. Elle repasse par l'arrière avec sa gardienne. Et on change de côté pour repartir avec Catherine. Allez, bien joué. Allez, tu as de l'espace là, Catherine. Tu as de l'espace. Mais là, il faut prendre l'espace. Il faut prendre l'espace. Allez, ce ballon qui passe par... Et les Gators, ce qu'on voit, qui jettent de plus en plus le ballon vers l'avant. Là, elle cherche juste à conserver le score. Oui, et une main qui est sifflée ici. En faveur de nos Patriotes. Allez, il faut y aller vers l'avant là. Le dégagement de Anne-Gabrielle Marquis qui est trop court. Et ce sera une frappe tentée de la part de la joueuse de Bishop. Mais c'est raté. Et allez. Moins de 5 minutes au temps réglementaire pour nos Patriotes pour essayer d'aller chercher au Mais moins là, le match nul. Rosalie. Mais il a. Vers Béatrice, bien joué. Béatrice faut la rejouer. Qui conserve ce ballon. Et finalement, qui lui échappe. Les joueuses de Bishop. Et là, c'est un long ballon tenté. Mais ce sera récupéré par nos Pats. Alors, il faut prendre l'espace là, Eve. Il faut prendre l'espace derrière Meïla. Aïe, 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 aïe. Allez, Shani qui essaie de l'empêcher de se retourner. Et les joueuses de Bishop qui essaient même plus. Elles essaient même plus d'aller vers l'avant. Elles envoient juste le ballon devant et laissent nos Patriotes après essayer de refaire tout le terrain. Non, c'est ça. On le voit, elles essaient de se donner le plus d'espace possible en jetant ces ballons vers l'avant. On sent que leur intention elle est plus de vouloir marquer un but supplémentaire, mais alors surtout. Alors que là, attention, bonne couverture de Loïse Lafleur là qui va conserver, qui va essayer de mettre ce ballon vers l'avant. Oh, attention cette passe. Voilà, attention le retour et la sortie d'Anne Gab, heureusement hors jeu sur cette action, mais ça aurait pu aller très vite. Allez, il faut jouer vite là. Il reste 3 minutes. Faut jouer devant. Anne-Gabrielle Marquis qui donne vers Meredith. Et il n'y a personne au deuxième ballon. Aïe, aïe, aïe. Shani qui va récupérer. Allez, chat d'espace. Allez, chat d'espace, Shani. Faut avancer. Avec Rosalie. Malheureusement, sa passe qui est interceptée. Et finalement, le ballon rendu à Anne-Gabrielle Marquis qui relance immédiatement à la main pour Catherine. Catherine qui cherche directement vers l'avant. C'était pour Eve, mais une nouvelle fois, le ballon est intercepté. Il faut pas la laisser prolonger. Bien joué de la part de Catherine. Attention. Elle tente le centre et c'est finalement récupéré par Anne-Gabrielle Marquis. Il faut jouer au milieu. Voilà, parfait. Bien joué. Allez, Rosalie, tu as de l'espace. Rosalie a de l'espace. Elle va jouer vers Meredith.
Allez, ce ballon qui sort et sera finalement pour les Gators, alors qu'elles vont effectuer un nouveau changement. La sortie de la numéro 11, Marie-Pierre Baudouin. Un changement qui va casser le rythme du jeu là. C'est bien joué. C'est le jeu, il reste moins de 2 minutes au temps réglementaire. Allez, Rosalie pour relancer avec Béatrice. Béatrice qui cherche une solution, elle la retrouve avec Rosalie. Rosalie vers l'avant pour Meredith. Meredith vers Béatrice. Et ce sera un nouveau dégagement. Chani pour Meredith, alors qu'on annonce 2 minutes au temps additionnel. 2 minutes sont ajoutées au temps réglementaire. 2 minutes additionnelles ajoutées au temps réglementaire. Allez, c'est récupéré par Rosalie. Rosalie qui donne vers Sandrine. Et Chani qui essaie de pousser, mais c'est finalement perdu. Et c'est dégagé par les joueuses de Bishop. Ah, il faut retourner vers l'avant. Allez, il faut y aller. Il faut y aller. Dégagement tenté par Héloïse Lafleur. C'est finalement perdu. Les joueuses de Bishop qui dégagent encore ce ballon. Et il y aura juste 2 minutes de temps additionnel là. Qui vont démarrer dans quelques secondes. Héloïse qui va dégager ce ballon vers Sandrine. Allez, Chani pour jouer cette touche. Cherche des solutions, elle la trouve avec Eve qui met bien ce ballon au sol. On repasse avec Sandrine qui écarte pour Catherine. Ah, il faut avancer. Il faut mettre ce ballon devant Sandrine et Catherine. Aïe, 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 aïe. Allez, Anne-Gab, il faut avancer. Il faut avancer avec le ballon. Avance, avance, avance. Allez, Louise pour Chani. Il faut mettre ce ballon devant là, de toute façon, c'est la fin du match. Bien joué de la part de Meïla. Allez, Meredith, allez, Meredith, allez, Meredith. Oh, c'est faute ça. Ça, c'est faute. Et ce sera quelle couleur le carton? Ce sera un carton jaune. Oh, ça, c'est rouge. Et c'est, elle coupe une action de jeu. Ouais, Meredith qui était partie, elle avait devancé la défenseuse adverse, puis finalement elle se fait accrocher dans le dos. L'arbitre qui est très généreux avec seulement un carton jaune ici, ça aurait pu mériter le rouge. On voit que cette action-là de jeu, elle est volontaire. Et ouais, mais là ça nous offre un bon coup franc, mais c'est sûr que. Au vu de l'action, on aurait préféré qu'elle continue ou alors qu'elle prenne le rouge parce que là, clairement, elle a clairement cherché à couper l'action. Premier carton jaune est décerné aux Gators de l'Université Bishop. C'est un très bon coup franc pour Sandrine. Est-ce qu'elle va essayer de le mettre au fond ou chercher une de ses coéquipières dans l'axe? Allez, fait lever ce public-là. Il faut juste la cadrer, allez, juste la cadrer. Sandrine la cadrer. Pour la frappe et... Aïe, 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 aïe. Ça passe bien au-dessus, malheureusement. Alors que nous sommes dans le temps de jeu additionnel. Allez, alors que... La gardienne des Gators essaie de dégager ce ballon le plus loin possible. Et c'est finalement terminé. Ce sera une défaite de nos Patriotes face à l'Université Bishop. 1-0. Malheureusement, elles n'auront pas réussi à revenir, à égaliser. C'est dommage. On n'aura pas réussi à se créer cette vraie véritable occasion de but là et marquer ce but là qui nous aura manqué malheureusement.
Oui, donc aucun point remporté ce soir pour nos Patriotes qui malheureusement gardent leur compteur à 4 points à la mi-saison. Il reste encore 7 matchs. Il va falloir aller chercher. C'est ça, puis ça commence dès dimanche avec le match retour contre l'Université de Montréal à Montréal au CEPSOM. Donc on l'espère, un revirement de situation pour nos Patriotes, mais en tout cas qui peuvent quand même repartir la tête haute ce soir avec de belles actions. Oui, elles auront quand même pas mal tenté, surtout en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été mieux dans les intentions, dans la justesse. Il y a eu beaucoup plus d'occasions créées. Malheureusement, elles n'auront pas réussi à mettre ce ballon au fond. Mais c'est bien, il faut rester sur cette note-là à la fin. Faut retenir cette deuxième mi-temps et se dire qu'il va falloir pousser si elles veulent remonter au classement et accrocher qui sait les playoffs. Mais en tout cas, il faut voir match après match là maintenant, aller chercher des résultats, se remettre en confiance. Et c'est ça, c'est ce qu'il va falloir pour nos joueuses, parce que là, c'est vrai que cette défaite-là, elle fait mal contre un adversaire qui était quand même, selon moi, très à notre portée. Non, c'est ça. Après, une belle équipe des Gators quand même en face, qui a su profiter des opportunités qu'elles ont eues, qui ont joué avec un bloc très défensif en fin de match pour maintenir ce score favorable pour elles. Puis elles repartent avec ces 3 points de la victoire ce soir. Donc, prochain match ce dimanche pour nos Patriotes à l'extérieur, Patriotes masculins et féminins. Et on se retrouve, quant à nous, dès jeudi prochain pour une nouvelle rencontre à domicile, alors que nos Patriotes recevront les Redbirds ainsi que les Martlets de l'Université McGill. On se retrouve donc jeudi prochain. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et bonne fin de semaine. Au revoir.